projet, bah, il est né il y a maintenant un petit moment, hein, il y a 5 ans, aux rencontres de la dynamique Sortir à la Pouzac. La dynamique Sortir, c'est un réseau d'éducateurs à l'environnement, d'animateurs d'activités physiques de pleine nature, de personnes qui animent aussi dans des espaces naturels sensibles, des parcs nationaux, régionaux, et qui s'intéressaient à la question du dehors et de la nature en faisant le constat qu'on allait de moins en moins dans la nature et que la notion de développement durable, par exemple, ça peut s'expliquer par ce biais-là, a amené des thématiques qui ne nécessitaient plus d'aller dans la nature. Et donc il y a eu un glissement entre l'éducation à la nature et l'éducation à l'environnement. Ça a fortement inquiété ce groupe qui s'est constitué de manière bénévole et qui travaille et qui se rencontre chaque année autour de ces questions. Et donc il y a 5 ans, on a fait le constat que bah, la recherche pourrait être intéressante, pourrait être un levier pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces apprentissages dans la nature. Le réseau École et Nature, le FREN maintenant, du coup, a mis en place cette recherche-action, Grandir avec la nature. Et donc en Lozère, on a nous monté un projet qui est complètement dans l'affiliation de ce projet national. Mais il y a des groupes projets en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, chacun avançant à son rythme, chacun ayant collecté des données, les ayant analysées, mises en forme. Et donc à un moment donné, on va tous se retrouver pour mettre ensemble nos données et puis sortir des éléments au niveau national. On a fait un premier appel à participation au niveau départemental auprès des enseignants. On a eu une quinzaine d'enseignants qui ont répondu, qui étaient intéressés par ce projet. Au niveau des animateurs nature, on avait 9 éducateurs à l'environnement qui étaient aussi intéressés. Et puis moi, voilà, après, quand on est passé dans la concrétisation des choses, finalement, ce sont 9 classes qui se sont engagées, donc 9 enseignants qui ont été accompagnés par 5 éducateurs à l'environnement. Et dans les 9 projets, on avait 4 classes de maternelle et 5 classes d'élémentaire. Donc c'était aussi intéressant par la complémentarité des âges et puis des apprentissages différents selon ces âges. Il n'y avait pas un protocole et des séquences pédagogiques prédéfinies pour chacun. Chacun a pu élaborer, chaque classe avec l'enseignant et l'éducateur à l'environnement ont pu déterminer ensemble un projet pédagogique et un projet de recherche. Donc on a des choses extrêmement diverses qui se sont passées sur le terrain. Ça est allé du jardin pédagogique à l'école dehors une demi-journée par semaine. En termes de thématiques de recherche, il y avait beaucoup d'intentions au départ autour de la coopération, les apprentissages disciplinaires, les stratégies pédagogiques, mais aussi tout ce qui est relation à la nature, relation à soi, aux autres. Bon, évidemment, motricité, créativité, et puis la recherche aussi de ce que pouvait produire la nature sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et en cours de projet, il y a 3 classes qui ont choisi d'aller vers une aire terrestre éducative, qui est un dispositif porté par l'Office français de la biodiversité. Ça a été intéressant, finalement, avec ce dispositif qui est très récent, d'aire terrestre éducative, ça a été un peu comme ça nous a permis de voir les différences qu'il pouvait y avoir et de voir comment on pouvait travailler à avoir plusieurs approches au sein même de ce dispositif aire terrestre éducative. J'avais mis en place ce temps libre dans la nature au retour des cours de PS, puisqu'ils se font à distance de l'école, à peu près à 500 mètres, parce que je participais à un projet d'action recherche, Grandir avec la nature, et je souhaitais leur consacrer, enfin leur permettre de vivre un moment dans la nature régulier, quotidien, enfin pas quotidien, mais au moins hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, en jeu libre, ce qui me permettait moi de les observer. Et en retour, de voir quelles conséquences ça pouvait avoir sur leurs apprentissages scolaires. Voilà, si ça avait une incidence. Voilà, c'était le but de ce projet d'action recherche auquel j'ai participé. L'avantage des jeux libres, c'est que moi, ça me laissait le temps, mis à part la surveillance, d'observer un petit peu leur jeu. Et enfin, je prenais un petit peu leur réaction. C'était le bilan météo, en fait, enfin, où ils racontaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu. Alors mon moment à moi, c'est un moment que les élèves vivent chaque fois qu'on se rend sur la TE, mais également quand on fait l'école dehors à d'autres endroits.
L'idée, c'est que chacun choisit, donc pour la Théo, c'est un arbre, et choisit à chaque rencontre de repasser du temps avec cet arbre ou pas. Et la consigne, c'est vous allez vous poser avec votre arbre et vous avez la possibilité soit d'écrire ce que vous voyez, ce que vous ressentez, soit de rêver, soit de lire, soit d'observer les changements qui sont arrivés sur cet arbre-là, et ensuite de le faire partager ou pas au groupe. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en début d'année, on a fait une séquence sur les haïkus. Donc on a travaillé sur les petits poèmes japonais, donc savoir comment ça se construisait, etc. Et en fait, pendant le moment à moi, j'aurais dit, si vous voulez écrire des haïkus, vous pouvez le faire. Et il y a vraiment des élèves qui sont saisis de ça, et ils ont écrit tout au long de l'année des haïkus. Et là, on travaille avec un père d'élèves pour produire un petit livre. Et on a les haïkus au fur et à mesure de toutes les saisons. Et c'est rigolo comment on retrouve la couleur de chaque saison grâce à ces petits poèmes qu'on a récoltés. Voilà. Donc c'est un moment qui est très riche parce que du coup, les enfants ont cette phase que je trouve vraiment importante dans l'écriture. C'est d'abord, avant de transmettre, avant de s'exprimer, d'abord de s'imprimer. Donc c'est un moment qui est particulièrement riche pour ça parce qu'ils vont s'imprimer de beaucoup de sensations, de beaucoup d'observations et ils vont pouvoir les exprimer ensuite par écrit ou à l'oral dans le moment d'oralisation. Le moment à moi, c'est un temps qu'on met en place, qu'on ritualise à chaque sortie. C'est un temps qui est assez court parce que c'est 15 minutes. Donc la consigne qui est donnée aux élèves, c'est pendant 15 minutes, on est dehors, à un endroit, et on essaye de ne pas rentrer en interaction avec les autres. On est en interaction avec la nature, avec ce qu'on fait, avec soi-même. On essaye de faire abstraction de l'autre, même si on l'a dans notre champ de vision. On essaye de pas le solliciter, de pas rentrer dans son moment à lui. Donc, et pendant ce moment-là, les élèves, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent dormir, ils peuvent lire, ils peuvent écrire. Au fur et à mesure de l'année, parfois, je leur donne des consignes. Donc de réflexion sur un sujet ou quoi que ce soit pendant le moment à moi, plutôt pour les plus grands. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir 15 minutes pour soi, notamment en classe, à l'école. On est tout le temps ensemble et il y a très peu de moments où on peut être tout seul. C'est aussi apprendre à être seul dans la nature, à écouter la nature, à la sentir aussi, s'allonger par terre ou s'asseoir contre un arbre. On voit aussi au début quand on a les élèves qui connaissent pas ce rituel, ils ont peur. Donc ils rentrent très vite en interaction, que ce soit avec moi, l'adulte, ou entre eux. Ils jouent pas le jeu, ou on en a qui rôdent, qui tournent beaucoup. Et puis au fur et à mesure, ils trouvent leur lieu, et puis ils comprennent que ça leur fait du bien, ils appréhendent moins ce moment. C'est très marqué sur les plus jeunes, ce moment de latence un peu à j'arrive à rester 15 minutes tout seul. Les plus grands vont tout de suite demander à le rendre plus systématique, voire plusieurs fois dans la semaine, parce qu'ils sentent aussi que le groupe au bout d'un moment c'est oppressant et que ils ont besoin de cet espace à eux. Par exemple, moi mon idée là c'était de ritualiser ce moment et au final c'est eux qui l'ont proposé comme rituel. Allez, on va faire le temps de parole. C'est le bâton. À la fin de chaque moment à moi, on fait un tour de parole. La parole, elle est libre. On fait circuler le bâton de parole. Celui qui veut parler, parle. C'est pas obligatoire. C'est en fait un retour sur ce qu'on a fait pendant notre moment à moi, ce qu'on a ressenti, ce qui nous a surpris aussi ou gêné. C'est aussi un moment où ils peuvent se dire entre eux qu'il y en a qui n'ont pas respecté les règles et donc du coup ça les a gênés dans leur intimité à eux avec la nature. Moi j'entendais beaucoup de trains se casser et ça m'a un peu énervée parce que je voulais dormir. Il y en a souvent qui font ça. Donc ça c'est pour dire qu'ils sont d'accord, pour éviter d'applaudir, de dire oui moi aussi et que ça parte, qu'il y ait beaucoup trop de bruit et qu'on ne s'entende plus et qu'on ne sache plus de quoi on parle. Moi, pendant moi, j'ai commencé une histoire et elle s'appelle Les Avengers. Moi, au début, j'étais allée à ma cabane
mais il y avait aussi un animal qui était passé. Un animal qui était passé. Du coup, il y avait plein de petits trous. Par exemple, ouais, j'ai des élèves qui vont, bah, eux, plus passer ce temps-là à essayer d'écouter la nature, à essayer de voir des animaux. Et donc, du coup, bah, quand il y en a d'autres qui sont en train de taper sur un arbre, bah, ça les dérange et ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Donc, c'est aussi un temps où ils peuvent dire à l'autre, bah, ouais, ça m'a dérangé. Est-ce que la prochaine fois, tu ne peux pas le faire plus loin, ouais. Ça permet aussi à ceux qui ne savent pas quoi faire, bah, d'entendre ce que les autres ont fait et donc du coup de se dire bah, la semaine prochaine moi je fais ça. Moi je suis juste allée par là et je suis montée dans un arbre. Après c'est vraiment un temps de parole libre, ça permet aussi aux plus jeunes, les CP notamment, bah, d'entendre les plus grands s'exprimer, oser eux après par la suite s'exprimer, être au début dans le mimétisme et puis après ben, dire leur propre, avec leur propre mot. Moi c'est... que j'ai trouvé votre place, du coup ça m'a un peu énervé. Vent du matin, vent qui souffle au sommet des campagnes, soit du vent qui souffle, allons dans le grand ventre. La première fois que j'ai vécu le moment à moi, c'était avec Sarah Vauquies, qui est une très grande animatrice nature. Et alors elle, c'est une Suisse, elle poussait un cri fabuleux, un cri tyrolien. Et donc je me suis dit, bon moi ça, j'arriverai pas à faire. Alors qu'est-ce que je sais faire? Ben, je vais chanter. Et donc c'est un moment où, de transition, parce que finalement on est dans sa bulle, et il va falloir qu'on rejoigne le groupe. Et pour moi, c'est un moment où voilà, on va entendre une chanson, et puis petit à petit on va chanter ensemble, et on se retrouve et on refait groupe. On refait du collectif après avoir eu un moment d'intériorité. Et le chant va être cette transition. On aurait pu faire des percussions corporelles ou un tambourin, mais là j'aime bien parce que c'est plus doux. On a fait des canons, voilà, c'est ça. Donc voilà, on reprend des petites techniques, en tout cas on réinvestit des choses qu'on a brassées un peu en classe, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de partager ce qu'ils ont vécu pendant ce moment à moi près de leur arbre? Andéol? J'ai trouvé 3 bourgeons par terre, pourtant ce n'est pas la saison. C'est bizarre. Qui d'autre a envie de partager? Gaspard, pareil de vous? Moi, j'ai... Tu as dessiné. Ah, magnifique. Ouais. Moi, si je serais un arbre, j'aimerais... Si j'étais... Si j'étais un arbre... J'aimerais pas qu'il y ait des gens qui viennent me tronçonner. J'aimerais. Alors, ce qui est intéressant dans cette restitution, c'est que on va avoir une montée en compétence en entendant naturellement en entendant les autres produire des beaux poèmes. Bah, ça va nous ouvrir la possibilité la fois d'après. Ah bah tiens, moi aussi je vais écrire là-dessus. Et donc nous dans la classe, on a une règle qui est que si je vois quelque chose qui est bien, je peux me l'approprier et le faire autrement. Donc le copiage est complètement possible. Je leur dis, dans l'évolution humaine, si on n'avait pas copié quelqu'un qui avait trouvé comment semer une graine, ben, on ne mangerait pas aujourd'hui. Donc se saisir des belles idées et les transcender et les améliorer, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Donc du coup, le fait de s'entendre parler, d'entendre les idées des autres, ben, ça peut nourrir son propre imaginaire. Des feuilles mortes. Oh, c'est magnifique. Moi, j'ai fabriqué un petit bonhomme avec des branches. Et du coup, j'ai fait un trou dans ça. Et du coup, après, je pouvais enfoncer la branche et du coup, ça fait un petit bonhomme. Enfin, nous sommes de retour. Le soleil éclaire la forêt tout entière. Assez agréable de retrouver le vent
et la rivière qui chantonne. Des nuages flottent dans le ciel, quelques oiseaux chantent et le soleil brille. Et j'ai fait un dessin avec le soleil. J'écris un haïku, j'écris mes pensées, tout ça dans la nature. Ça permet de se connaître et il y a certains enfants qui se font reconnaître, c'est-à-dire... moi, je me rappelle d'une petite fille de CE1 qui est arrivée dans la classe en début d'année et qui nous a fait un poème absolument transcendant où elle avait juste écrit deux lignes. « Mon arbre tout tordu devant moi se dresse ». Voilà. Et à partir de là, elle avait écrit ça et c'était tellement beau que tout le groupe a été saisi par cette, voilà, ces deux phrases qui étaient à la fois tellement simples et tellement pures. Et du coup, je pense que ça l'a aidée à s'intégrer dans le groupe classe alors qu'elle arrivait en CE1 dans un groupe classe qui était déjà formé. Alors, pour commencer ce petit temps d'école en forêt, on va faire une petite activité sensorielle très rapide pour se réchauffer un peu parce qu'on vient d'être statique, qui s'appelle le photographe. On va avoir par deux un élève qui est le photographe et l'autre élève qui est un appareil photo. Et donc, vous allez positionner, le photographe va positionner son appareil photo qui bouge avec les yeux fermés, donc l'appareil photo est fermé. Et si je suis photographe et que j'ai envie d'attirer par exemple l'attention en prenant une photo sur la canopée sans feuilles, je vais positionner mon appareil photo, je vais cliquer sur clic et il va ouvrir les yeux, il va emmagasiner juste sans bouger cette photographie de la canopée et il va essayer de la fixer dans sa mémoire parce que demain, il faudra écrire une petite phrase sur ce que vous avez vu. Une activité qu'on avait eue sur le photographe en hiver. L'idée, c'est toujours de nourrir de cette phrase d'impression, donc d'arriver à affûter son regard. Et les haïkus, c'est très bon pour ça, parce qu'on va s'intéresser juste, par exemple, au vent dans la branche ou à une fourmi qui escalade un arbre. On va en faire une histoire et on va la mettre en mots. Et cette mise en mots, elle se fait le lendemain en classe, parce que c'est vrai qu'une fois que, voilà, qu'on est nourri, là, on a le temps de réfléchir, de recaler, recompter ses syllabes, de parler avec les copains, d'échanger, de changer un mot parce que celui-là il est un peu pauvre, etc. Donc il y a le temps en classe qui vient qui est nourri par ce qui s'est passé dehors. Et du temps de classe qui est réinvesti dedans puisque les haïkus finalement ont été vus en classe et ensuite réinvestis dans la TE. Donc c'est un mouvement permanent en fait. Ça, c'est quoi les mots ? Environnemental, social. Vous pouvez les écrire comme... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? La forêt limite l'érosion des sols et les inondations en absorbant d'importants volumes d'eau. Qu'est-ce que ça fait la pluie quand ça tombe dans la forêt ? Ça se dégrade. Ça se décompose. Oui, ça se dégrade. La pluie se décompose ? Non, ça... Qu'est-ce qu'elle fait ? La terre absorbe l'eau. D'accord. Et aussi, il n'y a pas que la terre qui absorbe, il y a aussi les racines des arbres. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça va faire, qui cette eau ? Boivent... l'eau. Oui. Sinon, la terre, elle sera toute molle. Exactement. Et alors, la forêt, déjà, elle nous donne de l'air. De l'air. Elle nous donne de la terre. De la terre aussi, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette terre ? De la décomposition des feuilles. Quand elles sont mortes, et ben, par exemple, elle va se transformer en terre, comme du compost. Ça va composter, ça va devenir de la terre. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Oui. Et il libère ensuite de l'oxygène dans l'air. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. En se développant, les forêts stockent du carbone et contribuent ainsi à la lutte contre le champignon climatique. Le changement climatique. Alors comment tu fais avec tes mains pour aspirer l'eau ? Ouais, super. Et après tu les donnes à qui ? Aux feuilles. Alors, tu les aspires, tu les donnes aux feuilles. Tu les aspires, tu les donnes aux feuilles. Et toi, tu fais quoi, toi ? C'est la terre. Ah non, on a déjà de la terre, là. Non, toi, t'es quoi, toi ? Ah, toi, t'es l'eau. Ouais. Oui. Alors, il nous faut quelque chose. Toi, t'es l'air. C'est l'air. On va dire que c'est l'air. Toi, t'es l'air. Ah oui, d'accord. T'es bleu. T'es bleu. Non, c'est toi. Ou alors, non. C'est la pluie. T'es la pluie. Oh, aussi, t'es bleu. Tu fais la pluie qui tombe dans l'eau. Vas-y, tu fais la pluie. Alors voilà, c'est la pluie, ça tombe. Et moi aussi, elle fait bleu, hein. Mais oui. Alors on a la pluie qui tombe. Ça, c'est l'eau. On prend l'eau et on la donne aux feuilles. Ok, super. Fais la pluie comme ça, parce qu'il faut que tout le monde comprenne que tu fais la pluie. Hein. Ok, super, nickel. Donc ça, c'est la première fonction environnementale.
La mise en corps, c'est un peu cette intelligence kinesthésique qu'on va solliciter. Déjà, être dehors, quand on va faire une leçon dehors, on va retenir des choses parce que à notre insu, notre regard a été attiré par quelque chose, notre odorat également, notre sensation sur le corps. Et donc, du coup, ce qui est appris est fixé différemment dans la mémoire. Et là, le théâtre, pour moi, c'est vraiment ça, c'est associer deux mémoires, la mémoire corporelle et la mémoire auditive. On a entendu quelque chose, on veut le retranscrire, et le fait de faire passer tout ça par le corps, ça va enrichir les mémoires. Et l'idée, c'était vraiment de se poser la question, voilà, j'ai cette idée, au lieu de la dire, je vais essayer de la transmettre par mon corps, comment je peux la transmettre? Et du coup, pour celui qui le fait, il y a un vrai travail d'assimilation de la notion. Et pour celui qui reçoit, eh ben, il y a plusieurs entrées. Alors attention, vous devez deviner ce qu'ils sont en train de mimer. Attention, c'est compliqué. Les aliments. Alors, une idée, Rory? L'arbre. Angéline et la rivière. Fabien et l'arbre. Mathéo et la feuille. Et Amandine et la pluie. Oh, pas loin. Amandine est bien la pluie. Angéline n'est pas la rivière. La terre. Si, c'est la rivière. Ah, tu n'étais pas la terre. L'eau dans la terre? Ah bon? La terre. Donc, Angéline est l'eau qui est dans la terre. L'eau dans la terre tombe. Talia, dans la terre. Talia, c'est qui? C'est le vent. C'est l'évaporation. Les racines. C'est les racines. Talia, c'est les racines. Elle envoie de l'eau sur qui? Mathéo. J'ai compris. L'arbre. C'est l'arbre avec les racines dans l'eau et dans la terre. Exactement. Donc, le premier rôle de la forêt au niveau de l'environnement, c'est que l'eau, elle tombe. Elle tombe... Elle tombe où l'eau? Sur le sol. Et le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait ruisseler ou il l'absorbe? Il absorbe l'eau. Donc ça évite quoi, le fait que le sol absorbe l'eau? Les inondations. Ça évite les inondations. Merci, bravo, on peut les applaudir. Et bien du coup, visuel, parce qu'on va voir. Auditif, parce qu'ensuite on va en parler. Et c'est plus parlant pour moi que juste faire appel à la mémoire auditive en racontant la fonction de la forêt, c'est une fonction écologique. Non, là j'ai vu et je vais me remémorer le camarade qui a tronçonné l'autre camarade. Ça c'est une image choc qui va s'imprimer peut-être plus facilement que juste les fonctions de la forêt, c'est de couper du bois. Voilà. Moi j'ai été invité à participer au projet comme conseiller méthodologique, finalement, sur les méthodes de recherche-action collaborative, comment faire ça. Moi, mes recherches portent sur comment chacun d'entre nous, on se forme à travers nos expériences de vie et la réflexion qu'on peut avoir sur nos expériences. Donc, j'ai proposé au groupe une démarche qui consiste à ce que chacun analyse, documente, les moments les plus intenses, les moments décisifs de cette nouvelle pratique d'école dehors. Je pense que c'est important de souligner que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a des expériences aux États-Unis, au Canada, mais pas dans des écoles publiques. Donc comment marier cette expérience de l'école dehors avec des apprentissages, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est les gens, les participants, les enseignants et les animateurs ont réellement défriché quelque chose de tout à fait nouveau. De quoi est faite cette nouvelle pratique? Et deuxième question, quels sont les effets sur les enfants? Donc pour ça, moi j'ai proposé la technique du journal de bord, qui est une technique de recherche-action assez classique, mais en trois étapes. Un premier journal qui est personnel, individuel, chacun note au jour le jour ce qu'il observe. Un deuxième journal, qu'on peut appeler le journal collaboratif, c'est-à-dire à partir du premier journal, chacun réfléchit aux moments les plus significatifs, fait une pré-analyse et l'amène dans le groupe. C'est-à-dire on partage ces journaux dans le groupe. Et c'est ce qui va constituer finalement l'analyse collaborative des données. Qu'est-ce qu'on va retrouver de commun des uns ou des autres selon les âges, selon les situations. Et le troisième niveau du journal, c'est ce que les personnes découvriront dans le rapport final, c'est-à-dire que après avoir fait l'analyse des données, après avoir toutes ces partages en groupe, chacun va reprendre ses réflexions sur sa pratique. C'est ce qu'on appelle le journal de pratique réflexive, c'est-à-dire c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré, qui permet d'avoir une intensité de l'analyse au plus proche de l'action, mais tout de même d'un certain niveau.
chaque réunion, on lisait des journaux et on essayait d'analyser quelles sont les conditions favorables, quels sont les gestes pertinents, quelles sont les nouvelles postures, quelles sont les peurs, les difficultés, les obstacles, les trouvailles. Et chacun pouvait, en entendant le témoignage d'un participant, dire ben, « moi aussi », enfin, etc. Donc affiner progressivement ce qu'on appelle les catégories d'analyse. Le résultat, c'est que finalement, dans les chapitres d'analyse des pratiques et des effets observés, notre objectif, c'était de voir quels étaient les grands points, si d'autres enseignants veulent se lancer dans l'aventure, quels sont les éléments clés auxquels ils doivent s'attacher. On ouvre les yeux. Alors, qui veut me dire ce qu'il a entendu? Alors, moi, Solal. Moi, j'ai entendu des gens marcher, des gens partir vers le bas et des gens venir vers ici. Oui. Et aussi, j'ai entendu des bâtons se casser. J'ai entendu des oiseaux aussi vers là-bas. Mais moi, j'ai entendu un peu la même chose que vous. Des bruits de craquements, des bruits de pas, des bruits d'oiseaux. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez entendu plusieurs oiseaux, plusieurs espèces différentes? Oui. Oui? Oui. Oui, c'est le cas. Effectivement, il y a plusieurs espèces. Alors, on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça aujourd'hui. Alors, c'était notre petit rituel à chaque fois qu'on arrivait sur la TE, de faire ce concert nature. Voilà, c'était une activité qu'on avait mis en place en collectif avec aussi l'école de Bédouès et l'école de Vébron, voilà, qui avait été initiée par Nathalie Roux, l'enseignante de Vébron. Moi, j'ai marqué aujourd'hui en Lozère, il y a des forêts de pins, des maisons, mais plus de guerre mondiale. Il y a des routes, des moulins, des fermes et des champs, des haies. Des haies. C'est bien d'avoir pensé aux haies. Alors, est-ce que les haies, elles sont anciennes? Est-ce que c'est les haies comme on les imagine si je dis des haies? Non. Pourquoi? Des haies nouvelles. Parce qu'il peut y avoir les haies de fleurs. Mmh. Oui, c'est des haies d'arbres. Ouais, et puis qu'est-ce qui s'est passé là? Ces haies, vous les connaissez en plus, enfin. C'est d'arbres. Des haies que nous avons plantées. Mmh. En fait, là, c'est une séquence de conjugaison, clairement. Où on travaille sur passé, présent, futur. Donc l'idée, c'est de remixer pour notamment les CE2, CM2, donc les notions qu'on a vues en conjugaison au cours de l'année, donc le passé, le présent, passé avec surtout l'imparfait, le passé composé, le futur et le présent de l'indicatif. Moi, de ce que je suis rajoutée, des robots tracteurs, des voitures Renault électriques avec des voitures volantes. Et là, je viens de trouver avec des réacteurs à la place des roues pour préciser comment elles volent. D'accord. T'es vraiment dans le futur. Après, du coup, là, tu expliques les objets et tout ça. Est-ce que, en termes de forme, en termes, je sais pas moi, de couleur et tout ça, est-ce qu'il y aura des choses qui seront différentes dans le futur? Et puis ensuite, on a fait une deuxième séance où là, on est parti sur l'écriture, d'écrire ce paysage. Et donc du coup, la comptine, c'était de faire trois textes. Un au présent, aujourd'hui, mon paysage, il ressemble à ça. Un au passé. Dans le passé, il ressemblait plus à ça. Il était comme ça, enfin voilà, pour vraiment utiliser l'imparfait. Donc ce temps de la description, voilà. Et dans le futur. Dans le futur, comment j'imagine ce paysage? Il sera comme ça. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire plusieurs séances parce que ça a pris plus de temps. Non, c'était prévu qu'il y ait plusieurs séances, mais ça a pris du temps quand même de rédiger déjà avec leur premier avis, revenir sur leur écrit. Ils ont beaucoup de mal à cet âge-là à se dire qu'un premier jet n'est pas fini, en fait. C'est complexe. Donc, ils ont leur texte devant eux, même si c'est un brouillon, se dire que je vais reprendre un brouillon, ils savent pas, ils se disent je peux pas écarter les lignes, il va falloir que je réécrive, vraiment, ça c'est un exercice difficile. Donc du coup, partir d'un paysage réel, ça amène aussi une motivation supplémentaire.
L'idée, après, voilà, c'est vraiment de retravailler les temps de conjugaison, donc vraiment d'arriver à se corriger sur la conjugaison qu'on a utilisée. Qu'est-ce que tu as corrigé ? J'ai fait le double S. Ok. Mais du coup, chasser, c'est pareil, tu vois. Vu que c'est entouré avec un A et un A, et ben, s'il est tout seul, le S, il zzz. Alors, j'efface. Vite. Aurélien, tu veux lire ? Oui. Aujourd'hui, en Lozère, il y a des forêts de pins, des maisons, mais plus de guerre mondiale. Il y a des routes, des moulins, des fermes, des champs, des haies que l'école de la parade a plantées. Ok. Des retours ? Oui. Nino ? Je trouve qu'il y a beaucoup trop de dés. Bah parce que là, il faut bien un déterminant pour dire qu'il y en a plusieurs. Ça va être difficile de trouver trop de plusieurs synonymes. En plus, la phrase, elle est pas longue. Là, quand c'était une phrase comme état, mais... Okay. Oui, Tobias. Et après, comme on travaille beaucoup comme ça, c'est quand on écrit des textes et qu'on est amené aussi à les corriger, si ça vient de moi en tant qu'adulte, les élèves vont avoir plus de mal à revenir sur ce qu'ils ont fait. Alors du coup, ce que je fais beaucoup, c'est qu'ils ont possibilité ou non de lire devant tout le monde. Et tout le monde fait des retours, des critiques sur comment l'améliorer. Pas dans l'idée de descendre un travail, mais simplement de donner des billes pour pouvoir l'améliorer. Et ça permet à chacun d'entendre en fait comment les autres ont intercepté le message aussi. Moi, je pense qu'il y a un peu trop de « il y a ». Donc, les remarques qu'on a fait à Ethan, peut-être tu pourras les prendre aussi pour améliorer. Est-ce que vous avez d'autres retours ? J'ai suivi la recherche Action Grandir avec la nature pendant les 3 ans qui se sont écoulés en tant qu'observatrice et au titre d'un doctorat que je fais actuellement sur les questions de relations formatrices à la nature. À savoir que ce projet s'inscrit dans une éducation à l'environnement qui est pratiquée ici dans le cadre scolaire. Sauf que depuis les classes vertes, les classes de neige, les classes découvertes des années 80-90, ces dernières années, l'éducation à l'environnement s'est transformée en éducation au développement durable et a oublié le rapport direct de l'enfant avec les milieux de vie, avec ses milieux de vie. Dans cette éducation par l'environnement, on va particulièrement observer 2 choses par rapport aux enfants. Le lien affectif, émotionnel, physique, imaginaire, cognitif avec les milieux de vie. Ces milieux de vie sont souvent autour de l'école, donc ce sont les milieux de l'enfant. Et on va aussi explorer ce qui se passe au niveau relationnel, c'est-à-dire la relation vis-à-vis d'eux-mêmes pour les enfants, vis-à-vis des autres enfants, vis-à-vis du groupe et vis-à-vis du monde, de ces milieux de vie, de la nature. Finalement, on va se poser plusieurs questions. Comment l'école dehors agit sur les enfants et sur leurs relations à eux-mêmes, aux autres et au monde. Et pour les enseignants, comment l'école dehors permet de réinterroger leurs pratiques et leur façon d'appréhender les enfants. Parce qu'il y a aussi un impact là-dessus. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a Alain et Geneviève qui étaient venus la fois dernière et on vous avait dit que vous alliez découvrir les châtaignes et les châtaigneraies. Et donc il y a un groupe qui va aller avec Geneviève près de la petite maison dont vous connaissez peut-être le nom, mais elle va tout vous dire, vous allez tout apprendre. Et il y a un groupe qui va aller avec Alain pour découvrir les châtaigniers et en savoir plus sur les châtaigniers. Et puis après on a mettre. Voilà, dans ce groupe, on va parler de la récolte et de la transformation des châtaignes.
puis vous irez dans le groupe d'Alain pour parler du verger de Châtelier. Mais je suis quand même obligée de vous en dire deux mots, puisque là on se trouve sur un ancien verger. À quoi je le vois, il y a des grands arbres qui sont de vieux châtaigniers, là, là, il y en a derrière aussi. Et c'était avant un verger. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'il n'y avait que des châtaigniers. Donc là, c'était des intervenants qui avaient été sollicités par le Parc national des Cévennes. Donc ils étaient connus pour leurs compétences sur la châtaigneraie puisqu'ils en ont une qu'ils exploitent. Et là où c'était vraiment intéressant, c'est que justement, les gestes sont fluides, la parole est tout autant fluide quand ils transmettent leurs connaissances, puisque c'est leur quotidien. Et l'idée, c'était vraiment de faire un saut dans le passé, tendre la main sur cette châtaigneraie qui n'est plus exploitée maintenant, comment elle était les années précédentes. Donc on bascule dans l'histoire et à la fois, on acquiert des connaissances qu'on peut réinvestir aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, là, je pense qu'ils ont tous été surpris par l'intervenant qui montre comment greffer un arbre en deux petits coups de sécateur. Je paf, du coup, la fente est faite, on met le greffon, on ligature et c'est fait. Voilà. Donc, on attache. Cette attache, ça s'appelle une ligature. Un mot un peu compliqué. À quoi ça sert, cette attache? À le tenir. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer aussi bien? Aussi bien dès qu'on a... Ça va craquer, ça va tomber. Dès qu'on a le dos tourné, il y a un oiseau qui va venir, qui va se poser là-dessus pour regarder ce qui s'est passé. Donc il vaut mieux bien l'attacher. Là, on attend 15 jours, 3 semaines. Dans 15 jours, 3 semaines, ce petit bourgeon, il va grossir. Celui-là aussi. Et là, ça va fabriquer deux branches et un nouvel arbre. Donc ça veut dire qu'en fait ça fonctionne comme ça, c'est pas si compliqué que ça. C'est un savoir ancestral qui n'a pas été transmis. Donc là on a une transmission intergénérationnelle sur des techniques qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Et pour moi ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles il faut qu'on agisse. C'est-à-dire qu'on donne aux élèves les clés pour apprendre ces techniques-là. Et qu'on leur mette un petit peu la puce à l'oreille sur... Ah oui, mais en fait, se nourrir, ça peut aussi redevenir quelque chose qu'on s'approprie. Avoir des châtaignes, ça peut être quelque chose faisable dans une châtaigneraie qu'on va restaurer, etc. Donc faire ce pont entre ce qui se faisait avant, tout en se disant qu'aujourd'hui, ça pourrait être aussi fait, ça fait partie pour moi des choses importantes à transmettre. Et comment ça se passe après? Quand arrive l'automne, on dit qu'on va pouvoir récolter les châtaignes. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse récolter les châtaignes? Oui. On met des filets, les châtaignes tombent sur un filet, on prend le filet entier et après on prend les châtaignes. Oui. Ou des fois, ouais. Je connais Aymeric, bah lui on met des filets mais aussi il les ramasse des fois à la main. Juste c'est pas pour ça, mais verger et berger c'est un paronyme. Oui, bravo Enzo. C'est un quoi? Un paronyme. Parce qu'il y a une seule lettre de différence, comme drone, d'accord. Et drôle. Bravo! Je ne savais pas, j'apprends quelque chose. C'est un paronyme. Le choix du lieu, ça s'est fait avec l'enseignant, David. Il avait envie que les élèves soient immergés dans une vraie forêt. Parce qu'on aurait pu aller dans un parc qui est à quelques centaines de mètres de l'école, mais qui est un parc qui est aménagé. Les élèves sont déjà habitués à sortir dans le jardin de l'école, qui est aussi un espace naturel, mais très aménagé, sécurisé, assez propre, on va dire. Et donc, on avait envie de les amener dans un endroit qui était vraiment un peu plus sauvage, et pour qu'ils soient en contact direct avec l'ambiance forestière aussi. On ne voulait pas un parc avec juste quelques arbres, on voulait une ambiance forestière. Qu'est-ce que c'est, ça, que vous avez ramassé, les filles? C'est des châtaignes. Ce sont des châtaignes, tu crois? Non, c'est des pommes bananes. Ce sont des pommes de pin. Le choix de la période, c'est qu'on a souhaité démarrer le projet dès l'automne, début d'année scolaire, et que les séances se déroulent au fil des saisons. Donc moi, j'accompagnerai la classe 4 fois. Et elle est grosse, celle-là. Et donc là, c'était la sortie d'automne. Et parce que surtout en forêt, la saison automnale est quand même marquée et c'est intéressant de sortir à ce moment-là, quoi. C'est quoi ça, à votre avis? Moi, je crois que c'est ça que les écureuils, ils viennent manger dans les pommes de pin. C'est un plus.
C'est un plus parce que déjà pour les élèves, ben c'est un petit événement, une nouvelle personne dans la classe. Elle arrive avec surtout son bagage d'animation et de création pour que marquer cette sortie-là. Laurane sort de toute sa réflexion pédagogique, ben, les petites animations qui vont coller parfaitement au projet qu'on a monté. Et donc on passe un moment avec elle pour essayer de construire ce projet. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ces petites piques ? Regarde, pique ! Alors au niveau pédagogique, on a fait aussi un point avec David en amont du projet avant de commencer les séances. Alors le grand objectif, c'était que les élèves soient immergés en nature et vivent des expériences de nature positives, si possible, c'est quand même le but, qu'ils aient des souvenirs et une relation positive au coin de forêt qu'ils découvrent. Et après, il y a plusieurs objectifs pédagogiques, mais donc c'est en lien avec les besoins que David a exprimés, de travailler sur la motricité. Là, on était en plein dedans. Déplacement en milieu varié, on était en pleine pente, cailloux, châtaignes, ronces. Ça fait comme des piqûres! J'ai repéré depuis longtemps que dans la nature, on développe aussi des tas d'objectifs pédagogiques dans le monde du langage, dans le domaine mathématique, dans le domaine des arts, dans le domaine de la motricité. Et voyez, elle me fait pas mal. Elle se promène. Je promène, maître. Tu la prends ou moi je la reprends là? Bravo Iris, t'as plus du tout peur. Et tout ce qui est activité sensorielle, stimuler les sens. Donc là, il faisait froid, on s'est mis au soleil pour se réchauffer. On était dans la découverte tactile et visuelle de différentes matières, différents éléments naturels. Et puis on commence à travailler les tris par objet, les tris par couleur, par matière. Les quantités, beaucoup de châtaignes, un petit peu de châtaigne, c'est lourd, c'est léger. C'est plein de notions comme ça qui se jouent. Sachant que là, c'était la toute première sortie avec les élèves. La plupart découvrent la forêt, mais ils découvrent également l'école. Être ensemble pendant une journée entière. Allez, on la met là. Je me suis investi depuis 2 ans et demi. En m'organisant de telle façon que les élèves, chaque semaine, sortent une demi-journée de l'école pour faire école dehors. Quand on sort, quoi qu'il arrive, on a un temps d'activité, une activité qui est prévue. Il y a un temps de marche pour arriver jusqu'au lieu. Et on sait, enfin en tout cas maintenant je le sais, j'en suis persuadée et je laisse la place à ça. Il y a ce qu'on peut appeler le plus fort que tout, c'est-à-dire ce moment qui n'était pas du tout prévu, qui les interpelle et du coup qui les... moi en tant qu'adulte et puis aussi référence pour eux en fait des connaissances, même s'ils savent très bien que je ne connais pas tout, enfin, mais ils vont me solliciter. Il y a voilà, cet épisode du terrier. Le terrier, il est là depuis le début. Il y a certains élèves qui l'avaient remarqué vraiment au tout début quand on passait à cet endroit, mais ça ne les avait pas spécialement marqués. Et le jour de la neige, ben, voilà, il était vraiment marqué, il y avait les traces. Enfin, et donc là, tous les élèves se sont retrouvés autour et se sont intéressés à cette histoire de terrier, ce qui a donné aussi lieu à la séance d'après de suivre les traces, les pistes, imaginer des histoires autour de ces pistes, parce que ben, on suit des traces de lièvre et puis d'un coup on croise la piste d'un renard. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ces animaux-là? Est-ce que le renard est vraiment arrivé en même temps que le lièvre? Est-ce que le lièvre s'est fait manger par le renard? Donc on continue la piste pour être sûr qu'il a pu s'échapper. Et la neige, voilà, c'est un élément qui est le plus fort que tout, parce que ben on le prévoit pas. On se retrouve à cet endroit-là, ben, on va faire une activité. Quand il a commencé à neiger, j'avais pas du tout prévu qu'il y ait la neige à ce moment-là. Donc mon activité, ben, elle est juste tombée à l'eau parce que ben ça peut pas se faire avec de la neige, surtout qu'il faut être en mouvement, donc pour pas avoir froid. Donc alors on fait d'autres
d'autres sports après, de manière générale à l'école, des sports collectifs, des sports, enfin aussi de la danse et tout ça. Cette année, on a tout fait dehors, mais on fait toujours un peu de sport parce qu'il y a une marge d'approche, parce que ça se prête si on veut. Quand il y a la neige, quand on a un grand champ immaculé de blanc et juste laisser sa trace dans la neige, c'est magique, ça a un côté magique. Et ceux qui ne courent pas d'habitude, tout le monde a envie de courir, de rouler, de. Voilà, donc c'est une motivation. Ça permet aussi de voir que c'est pas parce qu'on est grand qu'au final on y arrive mieux, parce que savoir aussi marcher, courir dans la neige, c'est pas le même exercice que sur terre ou sur un terrain. Ça permet à d'autres de découvrir, parce que là j'avais trois Mexicains qui connaissaient pas la neige, donc c'est aussi des jeux. On arrive en CM2, on n'a jamais vu la neige, et puis d'un coup on te dit là tu vas courir dans ce champ blanc. C'est assez magique quoi aussi. Au départ, quand c'était donc le cadeau du Père Noël à la classe, d'amener un thermos, parce que sur le Cosméjan, il fait quand même régulièrement froid ou très chaud. Donc il nous fallait quand même quelque chose de chaud pour pouvoir avoir un moment aussi de réconfort, parce que quand on passe toute l'après-midi dehors, c'est aussi apprendre aux élèves comment s'équiper avec les vêtements, mais aussi comment je fais pour que mon corps il aille mieux si j'ai froid, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange aussi, ça va pas. On doit enseigner en fait aux élèves dans le parcours santé ou quoi. Ça permet aussi d'avoir un moment convivial tous ensemble. On est en cercle, on partage cette tisane. Et pédagogiquement, ce que je voulais, c'était qu'on fabrique après nous nos propres tisanes avec ce qu'on trouvait sur le COS. Là, on a commencé à récolter des plantes aromatiques qui pouvaient faire office de tisane. Oui, il y a tout le monde qui est servi. Bon, tant pis. Ce que je retiens aussi de cette recherche-action, c'est que finalement, on est passé de enseigner, éduquer dans et pour la nature à enseigner, éduquer avec la nature comme un véritable partenaire pédagogique. Et ce changement-là de posture, il est essentiel et il participe des objectifs qu'on s'était donnés, qu'on se donne dans le cadre de cette recherche-action. Moi, ce qui me frappe en termes de résultats, c'est qu'on avait déjà au départ des participants très expérimentés, chacun dans leur domaine, enseignant ou animateur nature. Il y a eu vraiment un métissage des pratiques très, très impressionnant. Et aujourd'hui, après 3 ans, là, on voit le niveau de réflexion, d'intégration de l'expérience de nature et de l'accompagnement des apprentissages faire que l'expérience de nature soit une source d'apprentissage, finalement. Et là, c'est une toute nouvelle pratique pour les enseignants qui sont habitués à transmettre. Là, il s'agit d'accompagner la réflexion, d'accompagner le cheminement de l'enfant vers le savoir. Et c'est assez extraordinaire à voir, autant dans les maternelles, sur le plan de la motricité, qu'au niveau primaire, sur l'apprentissage du français, de l'histoire, qui devient intégré par l'expérience et je pense qu'on est juste au début d'une découverte, d'une nouvelle pratique. Réellement, le niveau auquel sont arrivés les participants est tellement impressionnant que je pense que dans les années qui viennent, on va encore découvrir de nouvelles choses. Finalement, ce qui serait intéressant pour la suite, ça serait de pouvoir monter une autre recherche-action. Toujours en partant avec toujours cette idée de partir des questionnements de terrain et puis d'aller explorer par discipline et par âge ce que produit la nature pour aller dans une connaissance beaucoup plus fine de ce qui s'y joue.
C'est un dosage assez fin entre les animations, les enrichissements qu'on peut amener lors de ces sorties, mais aussi leur laisser du temps pour leurs expériences. Puis ensuite, à partir de ces expériences, savoir tirer ce qu'on appelait dans le groupe, tirer l'émergent, tirer les fils qui vont nous permettre de les aider à grandir et apprendre plus. Donc moi, j'ai envie de continuer de faire école dehors.